Good morning, Aleid, et nous aujourd'hui le Nishmat, Morim Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman Nissim ben Aouda, Sarah Bat Ranachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que l'Irfouat Sarah Bat Beti Rivka Betor Shach ou l'Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Nishmat, contactez la 5 minutes éternelles. Nous commençons aujourd'hui le 10e Perek de Menachot Perek Yud. Rabbi Shmuel Omer, A Omer Aya Ba Beshabbat, Mishalosh Sein, Uvachol Mechamesh. והחכמים אומרים, אחד בשבת ואחד בחול, משלוש היה בא. רבי חננא סגן הכהנים אומר, בשבת היה נקצר ביחיד, במגל אחת ובקופה אחת, ובחול בשלושה ובשלוש קופות ובשלוש מגלות. והחכמים אומרים, אחד בשבת ואחד בחול, בשלושה ובשלוש קופות ובשלוש מגלות. Le 10e Perek de Menachot va s'apporter sur une mitzvah particulière, la mitzvah du Omer, la Ktirat à Omer, le 16 Nissan, le lendemain du premier jour de Pessah. Il y a tout un rituel d'ailleurs quand on commence la Sfirat à Omer, il y a beaucoup qui le lisent, c'est bien de le lire. C'est essentiellement, en fait, comme on va le voir, c'est essentiellement issu des Mishnayot de ce Perek, arrangé de manière à ce que ce soit lisible d'entrée pour comprendre tout le procédé, tout le rituel, comment il était réalisé. On commence avec le premier sujet maintenant, c'est d'abord de nous dire Rabbi Shmuel Omer. Rabbi Shmuel enseigne Ha Omer Ayaba Beshabbat Mishalosh Sein, Obachol Mechamesh. Le Omer, le Korban à Omer, donc il fallait aller couper de l'orge, et ensuite on l'a mis au Beth Amikdash, on le travaillait pour en faire ensuite de la farine d'orge. Et avec ça, on faisait la Minchat à Omer. Comme toutes les menachot qu'on apprend dans le menachot, c'est d'or. C'est ça que ça rentre dans la Masechet menachot, puisque c'est une des formes des menachot. Et donc, il m'enseigne Rabbi Shmuel en me disant que le Shabbat, eh bien, tu devais récolter, il fallait prendre 3 séines. Pour pouvoir tirer un Asirit à Eifa, il fallait prendre 3 séines. On va expliquer ensuite les chiffres. D'accord ? D'abord, je préfère avoir la forme générale de la Mishnah, quoi, après on rentre dans les détails. Au Bachol Mechamesh. Et quand c'était un jour de Chol, un jour de semaine, profane, alors on apportait de 5 séin. On prenait 5 séin pour tirer là-bas un Asiri Taifa. Vachachamim omrim, Echad Beshabbat Vechad Bechol, Mishalosh Haya Ba. Chachamim enseigne que ce soit le Shabbat ou que ce soit un jour de semaine, on apportait toujours que de 3 séin. Et on explique tout de suite de quoi on parle, bien sûr. Une mincha, alors en général, une mincha c'est un Isaron. Un Isaron, c'est un Asirit Ha'efa, un dixième de Efa. Ça, c'est la farine que tu dois avoir. Maintenant, vous imaginez bien, pour pouvoir avoir un verre de farine, il va falloir prendre un petit sac entier de blé. Alors, c'est justement ce que je m'enseigne, que on va commencer d'abord par Chachamim, ça va être plus facile, parce que Rabbi Shmuel, il est à moitié, il reconnaît à moitié. En Chachamim, nous disent, ben, sache que tu dois prendre 3 séines pour tirer un Asirit Ha'efa. Vous rappelez la règle Escalav Gudo, Eifa Sea, Kablok Beta. Pour le moment, Eifa Sea, c'est ce qui m'intéresse, avec le coefficient entre eux, c'est Gimel 3. Dans une Eifa, il y a 3 Sein. Donc en fait, quand je te dis 3 Sea, tu entends directement une Eifa. Finalement, la quantité requise d'orge pour pouvoir tirer un Asirit Eifa, elle est d'amener une Eifa. Tu apportes une quantité de blé. Eh bien, tu vas pouvoir en tirer un dixième de blé ou d'orge, et tu vas en tirer un dixième de volume de farine. C'est le rapport qu'il y a entre le blé à l'état brut et la farine. Ça, c'est la vitra chamim, avec 3. Il y avait tout un rituel au Beth Amikdash, comme on apprendra, comment il fallait le tamiser toute la nuit, comment on le faisait sécher, comment on le faisait, on l'écrasait, comment on le tamisait ensuite. Il fallait le tamiser beaucoup pour pouvoir tirer cette CA. Et donc ça, c'est la vie de Chachamim, c'est le rapport qu'il y a. Rabbi Shmuel vient et il dit, je suis d'accord avec toi lorsque c'est le Shabbat, mais lorsque c'est un jour profane, alors, dans un jour profane, vas-y plus large. Ne prends pas que 3 Sein pour en tirer un Sirit Ha'efa. Prends 5 Sein. Et alors quoi? Quand tu vas prendre 5 Sein, tu vas te mettre ensuite, tu vas travailler, tu vas l'écraser tout ça, et beaucoup plus rapidement, tu vas pouvoir atteindre la quantité requise de une Asirit Ha'efa. Parce que dès que tu vas tamiser, vous imaginez bien, imaginez une farine mélangée avec beaucoup d'impuretés. Vous mettez tout dans le tamis, vous commencez à tamiser un petit peu, il va y avoir tout de suite une partie qui va tomber. Une fois que vous allez arriver au bout, maintenant ça va être
la farine très mélangée avec toutes les impuretés. Il va falloir tamiser et retamiser, retamiser jusqu'à ce que toutes les petits grains de farine vont tomber. C'est le même principe. Rabbi Ishmael te dit, en temps normal, lorsque c'est un jour profane, vas-y large, tu prends 5 séines. Et comme ça, dès que tu vas à peine commencer un petit peu tamiser, tu vas récupérer un petit peu de farine et tu vas atteindre les quantités de 1 sirita efa beaucoup plus rapidement. Presque deux fois, enfin 60% en plus, quoi, plus rapidement, 66, deux tiers. Un, ce que l'autre va faire avec 3 séines, l'autre il va utiliser 5 séines, c'est presque le double. D'accord ? Maintenant, d'après Rabbi Ishmael, quelle est la raison pourquoi Béchabat il faut prendre 3 séines ? Alors regardez, il y a plusieurs, dans le Melachot de Shabbat, ceux qui le connaissent, c'est important de les connaître, il faut connaître l'étude du Mishnah de Shabbat aussi dans la vie, un jour on y arrivera. En tout cas, d'après Zoréa, Horesh, Kotzer, Mamer, Dash, Zoré, Borer, Torer, Tochen, Borer, Tochen, Meraket, Lash, Vofé. 11 Melachot. À partir du moment où on est Kotzer, le blé, il y a plusieurs Melachot. Kotzer, c'est une première Melachot. Zoréa, Horesh, Kotzer. Après, Mehamer, on le réunit. Zora, Kotzer, Mehamer, Dash, c'est qu'on piétine le blé, on l'écrase pour faire sortir la graine. Zoré, on va, comme ça, on va pouvoir séparer les impuretés avec le vent. On va vanner le blé, ça s'appelait. Zoré. Après, Borer, on va enlever les cailloux. Tochen, c'est quand on va le moudre concrètement. Après, il y a l'âche et au fait, on va le pétrir. Ça, c'est pour le melachot du pain. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que regardez combien de melachot on transgresse pour faire. Combien de melachot de Shabbat on transgresse pour pouvoir obtenir de la farine. On cueille, on rassemble. On va trier, on va moudre, tamiser. Tout ça, c'est des interdits de la Torah. Certes, lorsque le korban omer tombe pendant Shabbat, alors la mitzvah elle est tellement importante que la Torah nous a dit « Tu le feras bémoado, même si ça tombe le Shabbat, tu devras le faire le Shabbat. » Mais malgré tout, on a une grande règle. Même lorsque tu as une permission de transgresser le Shabbat, tu fais ce qui est nécessaire, mais tu ne fais pas d'extra. En l'occurrence, si 3 séin te suffisent pour pouvoir tirer un sirita efa, une efa pour tirer un sirita efa, ça te suffit. Alors, c'est vrai qu'ensuite tu vas devoir beaucoup plus tamiser, ça va être plus dur à tamiser. Mais tu vas plus gagner que lorsque tu vas faire les premières melachot de Kotzer, Mehamer, Dash, Zoré, Borer, et Tochen aussi. Alors, pour toutes ces melachot, essentiellement, bon, pour Kotzer, on peut même déjà parler de Kotzer, au moment où tu vas commencer à cueillir le blé, eh bien, tu vas moins travailler, tu vas transgresser moins de melachot. Tu vas beaucoup plus rapidement obtenir ta quantité requise. Après, tu vas te débrouiller. Je préfère, concrètement, que tu transgresses, que tu refasses la même melacha plusieurs fois plutôt que tu fasses plein de fois des melachot supplémentaires. C'est la règle qui nous donne le Bar Tanoura. Beshabbat Mevi Shalosh. Mutav sheyarbe bemelacha achat sheroked shalosh sein pamim arbe. Je préfère que tu te mettes à transgresser plusieurs fois une seule melacha de ta misée. Ve'alerbe bemelachot arbe. Plutôt que tu vas faire beaucoup de fois d'autres melachot qui sont Yishayik Tzor, que tu vas cueillir plus, et que tu vas être trié plus et moudre plus, d'accord ? Puisqu'il y a plusieurs principes simples. À chaque nouvelle quantité, imaginez, avec un kilo de blé, alors tu vas commencer là-bas à faire toutes ces melachot de cueillir, et de moudre, et de trier, et de toutes les melachot que tu vas faire. Ben, si tu vas prendre 2 kilos de blé, tu vas transgresser doublement l'interdit. Alors je préfère en fait que tu fasses pas beaucoup de tous ces interdits, et lorsque tu arrives au dernier interdit de Shabbat, que ça va être le moment de tamiser, eh ben, parce que tu n'auras pas le choix, alors tu vas recommencer plus ou moins cette melacha. Ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Chachamim n'ont pas dans ses considérations, ils te disent toujours c'est la quantité requise. Avec 3 séines, tu fais une seule assiette à faire. D'accord ? On a fini la première partie de la Mishnah, la deuxième partie de la Mishnah. Rabbi Hanina Sganakohanim enseigne, Omer, il nous dit, Beshabbat aya nixar beyachid ou bemagal achat ou bakupa achat. Le Shabbat, on cueillait l'orge pour faire le Omer, beyachid avec une seule personne, bemagal achat, avec donc une seule, je crois que ça s'appelle une faux, avec laquelle on fauche le blé, on le coupe, ou bakupa achat avec une seule boîte. Ou bachol, mais tandis que lorsque c'est tombé dans un jour de profane de semaine, alors bishlocha avec 3 personnes, ou bishalosh kupot, et il y avait chacun donc sa kupa, chacun sa boîte, son ustensile, son sac, pour récupérer ensuite dedans ce qu'il avait cueilli, ou bishalosh kupot, ou bishalosh magalot,
avec trois magalotes, trois faux. D'accord, trois faux. Bah, ça s'appelle une faux pour faucher le blé. Les Chachamim ont dit, tandis que les Chachamim nous disent, Echad be Shabbat, que ce soit le Shabbat, ve Echad be Cholou, que ce soit un jour profane, toujours, Bishlosha, ou Bishlosh Kupot, ou Bishlosh Magalot, avec trois hommes qui vont chacun avoir trois sacs pour mettre ce qu'il a lui récolté, et avec trois Magalot, chacun il va transporter sa faux pour pouvoir faucher le blé. De quoi on parle exactement? Il va falloir introduire une petite notion très simple en fait, que si on regarde dans la Torah, j'ai pas préparé, si je risque de prendre un peu longtemps pour ouvrir, c'est dommage. Dans la Torah, c'est rapporté lorsque dans la Parashat Emor, lorsque la Torah elle me dit de faire le korban à Omer, alors elle me dit justement de voilà, je suis arrivé. Et d'abord, voilà, c'est d'abord le Vénissal de Mantalem qui te vaut l'adresse. Vécholé. Il y a marqué, après une fois que la Torah me dit de faire, donc le Mahorat à Pessah, de faire le Korban à Omer, la Torah me dit, Usfartem lachem mi Mahorat à Shabbat, mi yom aviachem et Omer atenufa, shel shabbatot temiot yena. Contré depuis le lendemain du Shabbat, cette semaine. Donc on déduit de là que, depuis le lendemain du Shabbat, il y a écrit, littéralement, le lendemain du Shabbat, tu dois compter 7 semaines pour faire ensuite le. Donc c'est le compte du Homer, qu'on a commencé avec le Korban à Homer, et puis après ça se finit avec Shavuot, on va faire la nouvelle Mincha de Bikurim, qui sera entre parenthèses le Pasuk, le chapitre 11 de Menachot. Alors maintenant, le problème c'est que la Torah l'utilise comme le lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat, quand je vous dis Shabbat, vous entendez le Shabbat, Shabbat Kodesh. Eh bien, dans la Torah, ici, en l'occurrence, c'est faux. Chachamim, ils ont dit non, le Shabbat, c'est le Yom Tov, il s'appelle Shabbat. Le jour de Pessah, il s'appelle Shabbat. Donc le lendemain de Pessah, tu comptes le Shabbat. Ils étaient confrontés à l'époque, Chachamim, avec des Tzedokim, les Sadducéens, ceux qui voulaient interpréter et qui ont renié la transmission de la Torah, qui se sont dit qu'ils étaient plus Chachamim que les sages, ils ont expliqué que la Torah avec leur manière de dire. De ce fait, ils sont arrivés à un des comptes originales, qu'en fait, Pessah, ça tombe quand ça tombe. Mais tu commences à compter le Homer qu'à partir du Shabbat d'après, le lendemain. Du coup, pour ne pas, c'était un fléau très violent à l'époque, pour ne pas que les hérésies des Tzedokim entrent dans le peuple, Chachamim ont instauré que on va faire chaque fois qu'on va. Ils ont d'abord instauré qu'ils calculaient de manière à ce qu'ils n'allaient jamais se retrouver à faire le Korban Homer d'abord le dimanche. Ils faisaient en sorte que le Pessah allait tomber d'une certaine manière, de manière à ce que jamais on va être confronté à porter dimanche pour ne pas que les gens se trompent. Mais en plus de ça, une fois que ça tombe en semaine, on avait instauré de faire ce rituel avec une grosse ambiance. C'était la grande fête. Tout le monde débarquait pour voir comment les Kohanim ils étaient là-bas. Ils allaient faucher le blé, l'orge, et le cueillir comme ça en faisant plein de bruit, de manière à ce que ça fasse. Ça impressionne et que les gens ne laissent pas, que tout le monde se rappellera ensuite, même les petits-enfants qui ont vu ça à 5 ans, quand ils auront 80 ans, ils se souviendront « Ah, quand j'étais petit, c'était la grosse ambiance, on partait à l'époque cueillir le blé, et il y avait comme ça plein de monde, et on va dire « Mais c'était quel jour ?» Ils vont nous dire bah, « c'était un mardi, un mercredi, un jeudi, pas du tout, jamais le dimanche. » Et comme ça, on va pouvoir lutter que les hérésies des Tzedokim ne vont pas rentrer dans le peuple. D'accord ? Donc il y avait une idée, ce qu'on appelle de faire du « Avesha Milta », comme ça va rapporter dans la Gemara, de le cueillir avec beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance. Comme ça, les gens retiennent bien que lorsqu'on compte le lendemain du Shabbat, c'est pas le Shabbat Kodesh, le 7e jour de la semaine, mais c'est plutôt le Shabbat, c'est le jour de Yom Tov. D'accord ? Maintenant, donc du coup, Chachamim ont instauré donc, de le faire avec trois personnes. Chacun y prend sa faux, chacun y prend sa caisse, et comme ça, il s'éparpille dans le champ et il cueille, et ça fait c'est beaucoup plus impressionnant. Et donc, on s'en souvient mieux. Ça, c'est quand ça tombe en semaine. Quand ça tombe le Shabbat, Rami continue à dire, bah, tu fais la même chose. Puisqu'on a le transgressé Shabbat pour faire le Korban en mer, tu fais exactement la même chose. Tu vas le cueillir aussi avec les trois personnes. On dit que Rabbi Hanina se gagne un Kohanim. Selon Rabbi Hanina, il pense Rabbi Hanina que non, le Shabbat, c'est pas la peine de faire que trois personnes transgressent l'interdit. Laisse une seule personne transgresser l'interdit, que lui il fasse tout le travail tout seul du début jusqu'à la fin. Et le Shabbat, ben, on aura retenu que c'est différent. D'accord ? Entre parenthèses. Vous verrez toujours chez les chrétiens, ils ont toujours le lundi de Pentecôte.
lundi de Pentecôte et lundi de Pâques aussi, apparemment, je ne connais pas exactement comment ça fonctionne. Mais Pâques, c'est Pessah, et Pentecôte, c'est Shavuot, les Penta. Donc, en tout cas, pour eux, ça tombe toujours le lundi chez eux. Et la raison, c'est parce que justement, ils ont influencé des tzedokim, ils sont mis à étudier la Torah écrite sans avoir la Torah orale. De ce fait, chez eux, le Shabbat, c'est le dimanche, donc le lendemain du Shabbat. Donc le lendemain du dimanche, c'est toujours le lundi. Ils se retrouvent toujours avec un lundi de Pâques, un lundi de Pentecôte. Je ne sais pas concrètement dans leurs bêtises, dans leurs hérésies, comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est le même principe, c'est à cause de cette même raison du pasouk qu'on a ouvert, les Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, à partir de quand on fait des décomptes. Enfin, on refinit quand même avec un petit mot de Torah, Bezrat Hashem. On ne va pas rester avec des hérésies chrétiennes, d'accord. Donc, Hashem, on a étudié, maintenant on a commencé à ouvrir le sujet du Korban à Omer, en apprenant combien, de quelle quantité il fallait quelle quantité d'orge il fallait utiliser. Comme ça, Bezrat Hashem, on va prendre dans tout le très beau rituel, dans les détails, comment le couper. Ça va être dans les prochaines Mishnayot, c'est très intéressant, très joli. Et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.